la base, il y avait un syndic qui s'est entretenu et après une fois que nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5 000 emplois parisiennes et des moyens techniques et technologiques importants pour lutter évidemment contre ces émeutes, pour procéder à des interpellations et surtout pour rétablir l'ordre républicain qu'attendent légitimement les Français. Même en sachant que la police, elle est là pour nous protéger, mais elle ne nous protège pas en fait. En sachant que même pour un contrôle routier, on peut se manger une balle par eux. Donc, mais par contre, les dégradations des biens publics, là, je ne suis pas d'accord en fait. La mairie, on en a besoin. Les salles de sport pour les enfants, on en a besoin. Nos voitures personnelles, on en a besoin aussi. Le monde déteste la police. En soi, je vais dire que c'est justifié parce que c'est normal. Il y a de la colère partout et en fait, c'est normal parce qu'on se dit si on laisse passer ça, il n'y a jamais rien qui va bouger. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Depuis toutes ces années, on voit le pays se dégrader d'année en année. Et là, franchement, c'est plus tenable, c'est plus possible. Et encore une fois, nous, on n'y est pour rien. On est des travailleurs. On se lève le matin à 5h du matin pour faire vivre nos enfants et nos familles. En vrai, voler des trucs, ça ne va rien apporter à l'enquête ni à Naël. Mais casser des trucs, montrer notre colère, quoi, ça va montrer qu'on en a marre des bavures policières, on en a marre de toutes ces personnes qui se font tuer pour un rien, pour un oui, pour un non. Et voilà, ça va changer un peu des choses qui n'avaient jamais bougé en fait. This is a moment for the country to seriously address the deep issues of racism and racial discrimination in law enforcement. We also emphasize the importance of peaceful assembly. Oh, je fais pas bien. Ouais, calme-toi. Avec des cellules à l'intérieur, un peu calmé, effectivement. Si jamais.